Is it a sprint or a marathon? And what if finish lines make us happy? Or are we glad we can run it all? Can't fall when I'm sleep, I'm chasing a dream. When I wake up and it's over, what did I do? Hello, hello, je suis à Roubaix, donc c'est proche de Lille. Et en fait, j'ai un rendez-vous avec un client pour une mission de consulting. Je ne sais pas s'il veut que j'en parle publiquement, donc je vais laisser ça secret, on va voir. Et voilà, c'est une journée pour réfléchir à la stratégie de communication. Donc c'est avec grand plaisir que je vais passer cette journée ici. Voilà, j'ai hâte. C'est une très belle entreprise avec laquelle j'ai hâte de travailler parce que je pense qu'elle a énormément de potentiel dans un domaine qui me plaît énormément. Donc on va voir ce que ça donne. Everybody tunes in just to hear you win. I'ma race to the finish line when I'm done. I'm worth more than a goal that I never won. One life, one love. Hello, hello, on est à la gare de Roubaix et voilà, on a passé une journée de consulting donc avec mon client que je ne citerai pas en fait parce que je ne lui ai pas demandé si je pouvais parler de lui parce que je trouvais que ce n'était pas forcément approprié par rapport au contexte. Donc, vous ne saurez pas. mais je vais quand même en profiter pour vous parce que du coup, je vais vous parler de quoi? Eh ben, je vais vous parler de comment j'ai trouvé ce client. Depuis que je suis revenu des États-Unis, pour ceux qui ont suivi le voyage, et sinon, allez regarder dans la playlist, je vous mets le lien en dessous si je n'oublie pas. En fait, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi parce que j'ai vu qu'on pouvait atteindre des objectifs bien plus ambitieux qu'on pensait être capable. Et en fait, ce voyage aux États-Unis m'a donné confiance. Le fait que j'ai pu prospecter un client américain qui… Bah, c'est toujours en cours de réflexion, je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins de savoir qu'un Américain est en train de réfléchir au fait de travailler avec moi, ça m'a vraiment donné confiance, je pense. Pas que les Américains soient au-dessus de nous, c'est juste que je suis pas américain, je suis pas anglophone, donc qui veuille travailler avec un Français alors qu'il y a plein d'Américains qui font ce que je fais, voilà, c'est ça le truc. Et du coup, depuis que je suis revenu des États-Unis, ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'il y a une entreprise avec qui je suis un peu en relation et qui est sympa et qui fait des choses sympas, et c'est l'entreprise avec qui j'étais là, elle est vraiment, vraiment top et j'aime énormément ce qu'ils font, je propose, en fait, je leur dis, ouais, vous cherchez, je regarde un peu leurs réseaux sociaux, je regarde un peu leur activité, je fais, vous avez besoin de quelqu'un? Ouais, moi, je suis disponible, je peux faire ci, je peux faire ça. Je rentre en relation. La dernière fois, j'ai eu un appel avec un éditeur, un imprimeur, on a discuté, voilà, ça n'a rien donné du tout. Mais voilà, j'ai pas peur. Et en fait, c'est ce que je vous encourage à faire. Surtout que c'est facile maintenant, on est devant son ordinateur, on tape son email, on balance et puis s'il n'y a pas de réponse et tout, c'est même pas la honte quoi, c'est même pas, on se prend même pas un vent de face quoi, c'est juste électronique. Donc, à chaque fois que vous avez l'occasion d'avoir en face de vous une entreprise ou quelqu'un avec qui vous aimeriez travailler, n'hésite pas à demander. Là, j'ai eu ce contrat pour cette journée de consulting. Je sais pas, j'ai contacté une dizaine d'entreprises depuis septembre avant d'obtenir ce contrat. Voilà, si vous en contactez 10, 20, 30, au bout d'un moment, ça va donner quelque chose. Je vais m'appliquer ce conseil et je vais contacter encore plus d'entreprises. Donc voilà, n'ayez pas peur, allez-y. Tant que vous êtes respectueux et que votre offre est intéressante et que vous pouvez apporter de la valeur, proposez vos services parce que ça rend service justement. Là, c'est pour ça qu'on appelle ça une prestation de service. Bref, vous avez des compétences. Les gens en face de vous ont des besoins. Faites en sorte que ça se rencontre. Demandez, ok? Ça ne vous coûte rien. Je vous dis à bientôt. Je vais prendre le train. Je vais aller manger au Burger King. Là, j'ai repéré le Burger King de loin à Lille. Je n'ai pas beaucoup mangé à midi. Du coup, je vais me faire plaisir. Marina, si tu me regardes, t'inquiète, je vais être raisonnable. Je vais filmer ce que je vais manger, voilà, comme ça vous verrez. Allez, je vous dis à très bientôt. Ravi de partager ces voyages en France, dans des villes tranquilles, en attendant des voyages au Qatar, à Hong Kong, à Los Angeles. Voilà, je vous dis à très, très bientôt.